sentiment côté que une fois que c'est comme cap déchiré à chaque fois m'a suivre et m'a regarder situation pays d'Haïti Haïti a évolué là et c'est une bagaille qui fait que me prend engagement que me prend journée aujourd'hui pour me parler dans nos pays d'Haïti pour m'exprimer sentiment moi indignation parce que me sens vraiment indigné pas presque que me déconner Haïti que me déconner. Eh bien, je vous dis, on n'a plus ce pays, son pays qui finit, son pays qui est totalement aux abois. Et il ne reste qu'à nous-mêmes, le peuple haïtien, eh bien, de faire le maximum pour retrouver cette souveraineté que nous avons perdue. Donc, pour nos batailles, pour nous guérir. Et ça, qu'on a mené des batailles ça, jusqu'au bout pour que le peuple a une victoire qu'il a cherché. Donc, il faut mener des batailles là jusqu'au bout. Là, nous tenons Ariel Henry, qu'on connaît très bien, qui souhaite faire plus de 30 mois au pouvoir. Donc, nous connaissons qui sa résultat yo même yo, qui sa réalité a lui-même lié jusqu'à ce que monsieur arrive dans une question campé loin. Et là, sur le terrain, il y a plusieurs propositions sous table là. La question de Guy Philippe et de groupe qui opté pour cassation. Mais nous voyons l'autre qui fait, c'est avec CARICOM. Et là, nous avons réalité, nos conseil présidentiel, yo même qui installé dans le pays. Qui sont qu'à dire non, qui ont gardé, qui ont espéré de Mounzao. Bon, vamos au bagage. Et même si un leader choisi par le peuple, à savoir Guy Philippe, il était parlé comme ça et m'a parlé de cette même manière. Comment vous trouvez que Mounzao mange si Mounzao c'est lui qui a fait remettre Bouli? Mounzao mange. À quoi ça sert? Et même Lougao qui a fait remettre là? Lougao qui a mangé petit là et lui qui a fait remettre Bouli. Quel résultat pensez-vous dans le bac? Lui doit lui. Qui résulte pour cette. Et c'est là que le peuple comprenne ce qu'il a fait là. Ou pas qu'à espérer un résultat. Parce que c'est même mon qui vient là. Pas de changement. Pas de changement. C'est la bataille pour un morceau de gâteau. Qui est-ce qu'il a fait plus? Je dis là, jusqu'à présent, après plus de 4 jours de leurs installations, le conseil n'arrive pas à élire un président parmi eux. C'est vrai. C'est la division complète, c'est une catastrophe. Et je viens d'apprendre que le secteur privé a cherché à acheter conseil de façon complète à pauvres bon, gens. Comme toujours, c'est comme ça toujours. Bataille ça toujours. $1 million et au parti Petit Dessalines ah bon? Pour qu'ils ont voté. Oh oui, son information à bail là, oui. Ah, bon, $1 million. $1 million pour Petit Dessalines, parce que c'est pour Petit Dessalines voter en faveur du secteur privé. Ah bon? Dans le conseil. C'est moi conseil. Même si j'étais dans le bagage, je vais vous donner l'information, je vais partager avec le peuple. Parce que réaliser que le peuple, ça, ce n'est pas nous-mêmes qui dégageons, nous sommes capables de retirer le pays, ça, le salmanaza que nous retrouvons là. Mon cher pape, je me sens. Il va bien me sortir. Parce que majorité, nous te dis ça, majorité, qui n'ont pas ça, sont pas corrompus. Et c'est eux-mêmes qui ont pris le système. Oui, non, presse là. La presse haïtienne est une presse corrompue. Voilà pourquoi moi-même je dis que je suis un motivateur. Je ne suis pas un journaliste. Est-ce qu'on comprend ça, madame Delon? Parce que lorsque je vois le travail que la majorité des journalistes haïtiens fait, ou est-ce que c'est eux-mêmes qui viennent. Parce que c'est eux-mêmes qui accouchent nous, CPA. C'est journaliste. C'est journaliste qui a accouché nous parce que ah bon? Si on fait promotion pour lui, je comprends exactement le jeu psychologique que jouent les journalistes haïtiens, pour faire venir, pour nous permettre d'arriver jusque-là. Dans la question CPA, il y a un travail, il y a des gens dans le CPA, il y a un série de politiciens qui étaient mourus, il y a ressuscité. Est-ce qu'on comprend ça, madame? Politiciens mourir, les gars, ressusciter le coup de l'entendre de ça, les postulants pour le capable de venir, ministre de la justice, ministre de l'intérieur, ministre de l'agriculture, ministre de la culture. C'est une honte. C'est une honte. Voilà pourquoi je dis le peuple haïtien. Alors, au même où aller direct, comme si on était genre bas, ou dit c'est presse là qui ban nous et c'est bizarre. Pas oublier, presse ça c'est quatrième. Clairement, c'est presse ça c'est quatrième. Presse ça c'est quatrième pouvoir, oui. Presse ça c'est quatrième pouvoir, oui. Oui, presse ça c'est quatrième pouvoir, oui. Ouais. Presse ça, ou pas qu'on est que, si nous avons presse, je ne veux pas parler de presse haïtienne, non. Je ne veux pas parler seulement les médias qui sont en Haïti,
mais aussi, on a aussi des influenceurs sur Facebook, sur les réseaux, par exemple. Ils ont joué un rôle extrêmement important, oui, dans mettre Haïti côté de là, oui. Ah bon? Est-ce qu'on comprend ça, même Boulan? Parce que pendant la période que nous avons traversé, période turbulente, ça, pour que ça ne soit pas de peuple à la parole, des grands médias de la capitale là pour dire peuple là qui ça le voulait pour ça que fait c'est pour ça que fait c'est politique chaque matin ne pas ouvrir micro pour peuple là parler alors que nous connaissons exactement le choix du peuple nous connaissons le choix du peuple nous connaissons ce dont le peuple a choisi qui le peuple a choisi qui est ce peuple là voulait donc pour qui ça que fait nous fait plus de 40 ans c'est nous mêmes qui sommes au pouvoir et nous pas jamais mettre un sérieux Mais je dis avec quel monde nous bien. Maintenant, des gens qui ne connaissent pas, ils ont fini. Lorsque le verbe fini se conjugue en leur faveur. Fallait nous comprendre ça. Fallait nous comprendre. Vous savez, des politiciens, vous avez des Yuri à Porti, vous avez des Joseph Lambert, vous avez des Nexayo. Quel monde nous bien. Les gens sont forts, mais les gens ne sont pas intelligents. Ils sont forts, ils ne sont pas intelligents. Les politiciens haïtiens sont des hommes forts, mais qui ne sont pas intelligents. Parce que l'homme intelligent, ou qu'on qui l'est pour rentrer ou qu'on qui l'est pour sortir. Ça, c'est l'intelligence qui font ça. Pour avancer, qui l'est pour camper. Ou qu'on qui l'est pour avancer ou qu'on qui l'est pour faire back. Vous pensez que c'est intelligent ou pas intelligent? Non, pas intelligent, monsieur. Non, pas intelligent, monsieur. Pas intelligent. Mais c'est célèbre, on va parler des abasteurs. C'est célèbre, oui, débarquer dans. Ça là, sur là, qui est papa tourne tout bas là, c'est un pays qui a sablé, c'est. Pour voir, oui, pour là, ça veut dire tourner pour la plus belle, oui. Regardez-moi, je vais vous dire, c'est vite fait. Ou une bataille que le peuple a menée actuellement là, le peuple n'a pas jamais fait battre tout autant par mettre le monde nivelé à ce pouvoir. Et moi, je dis encore. Et même, c'est le monde qui est campé derrière. Et n'a pas gommé jusqu'au bout. Parce que cette révolution, ce n'est pas seulement une révolution armée, mais c'est une révolution de la mentalité, du comportement. La jeunesse haïtienne doit se mettre au travail pour sauver Haïti de cette impasse. Parce que dans les autres pays d'Afrique, c'est la révolution ça qui fait. Au Burkina Faso, le Sénégal et beaucoup d'autres pays, le Niger, c'est la révolution ça qui fait. Pour nous gagner l'autre monde, pour nous prendre le destin en main. Une nouvelle parce classe. Parce que Haïti, une nouvelle classe politique. Comment t'as fait un paquet de monde 40 ans, et y'a gagné 50 ans, ou regarde Nestlé Voltaire, un petit grand monde, fini net, met ton pantalon, grand papa le mette. Grand ni mette, vite là, dans le fruit du monde, vite nous, c'est lui qui peut présenter. Mais qui sont pas représenter nous là? Ou pas ces ministres pendant deux fois? Est-ce qu'on comprend déjà, Mme Doula? Toujours dans le bois, Nestlé Voltaire. C'est habitué. Toujours là. Toujours là, c'est même nègre qui a toujours là. Lui, là, pour bagarre, ça finit, monsieur. Et puis je vous dis ça, résistance plus persévérance égale victoire. Résistance plus discipline plus persévérance égale victoire. Victoire. Yes. Et pas oublier, je vous toujours dis ça, c'est une difficulté qui baille une opportunité. À chaque difficulté, il y a toujours une opportunité. Et dans la difficulté que nous nous trouvons maintenant, dans l'espace que nous trouvons maintenant, nous avons l'opportunité de former, de construire cette nouvelle Haïti que nous voulons. Et c'est nous-mêmes qui vous mettez nous au garde à vous, c'est nous-mêmes qui vous mettez nous complètement dans la bataille, parce que bataille, ce n'est pas pour une bataille au café, par exemple, à demi, son bataille pour entrer là-dedans de façon complète. Et puis pour dire, nous, notre bataille nette. Est-ce qu'on comprend ça? Moi-même, je lance un appel à la jeunesse haïtienne. La jeunesse qui va jamais participer dans la politique, que ce soit chrétien, vaudouisant, protestant, quelque chose à mon nier, parce que actuellement c'est une question d'Haïti. C'est une question d'Haïti. C'est une question d'Haïti. Et ça fait moi-même, je suis engagé comme étant un pasteur, comme étant un homme de Dieu, comme étant un motivateur, je suis engagé dans la bataille. Alors, pour nous parler des nouvelles classes là, nous rendons compte que, alors, bataille là, les papitis ou à peine disent ça, c'est une gros bataille. Et là, on a cherché des gens qui sont crédibles. Vous sentez le peuple a tourné des gens qui. Vous sentez le peuple a bouqué eux-mêmes tout avec les gens.
mais c'est comme si yo pas wè route pour chemin pour délivrer si comme si yo pas ka faire ça au besoin malgré désiré li yo assoiffé yo bouqué ak moun yo fatigué ak moun yo pas wè nan moun sa yo rien qui positif encore. On senti moi pas capable faire ça au besoin faire parce que on senti gon pied sous couyo tout également. Ou pas quoi ba la même bon côté le mélanger, bon côté li mais bam sou bien. Il collé. Bam sou bien. Nan mi tan fè noir, nan mi tan fè noir, toujours gen lumière. Mhm. Bon l'on tunnel, nous tant qu'on tunnel, gon ti lumière. On nous pas garder fè noir, on garder lumière. Parce que pas gen problème sans solution. Quel que sa problème, nan gen solution là-dedans. Donc, ça que nous devons regarder lumière. C'est lumière pour nous chercher. C'est lumière pour nous ouvrir. Et c'est là pour nous concentrer, pour nous grandir avec cette nouvelle classe. Nouvelle classe, là, c'est la jeunesse. Moi-même, pour la jeunesse. Mm-hmm. Non seulement pour la jeunesse, je suis aussi pour la diaspora. Très bien. La diaspora haïtienne représente le moteur d'Haïti. Et si nous voulons faire un pays tout bon vrai, diaspora doit rentrer dans tout ce qu'il y a. Dans le pays. Parce que le pouvoir, c'est un bagaille. Je ne veux pas dire là, guider mon le fait que la vie en Haïti, même lorsque le partage l'est, l'entrée dans la corruption de façon circonstancielle. À cause de façon la vivre là. Je vais dire tout le monde, bien entendu. Ouais. Je vais dire tout le monde. Mais, situation Haïti a obligé quelqu'un monde vivre mal là-dedans. Obligé quelqu'un de faire quelque bagaille au partage de faire là-dedans. Et voilà pourquoi, comme on peut comprendre, les gens en Haïti, ils ont un bel cas, mais ils ne peuvent pas avoir un bel cas, ils ont un pile fatra. Ça va déranger. Ils ont un problème pour la poule. Pour qu'on vienne tout bleu devant la plein la boue, devant la gaille. Ça va déranger, non? Exactement. Et bien, je voulais dire à qui ça nous besoin. Nous besoin de monde qui est capable de connaître que, ok, on s'est passé. Si je ne peux pas vivre dans le bleu sale, je ne peux pas courir ma chambre dans le bleu sale, je suis obligé de faire façon pour pouvoir pour me faire route là. Pour me faire belle route, je suis obligé de faire façon de pouvoir pour me mettre l'électricité parce que je ne peux pas dormir dans le feu noir. Il faut que des gens qui aient conscience ça. Il faut que des gens qui éclairent. Je veux dire, ce n'est pas une question. Le monde qui a fait une révolution là, ce n'est pas vraiment politicien, non pas diriger le pays. C'est pour qui est intelligent, oui. C'est pour qui est brain, oui. C'est pour qui est cerveau, oui. C'est pour qui est éclairé, oui. Donc, il y a vu un des. Mais qui paye, mon frère? Ou passer pour bon plage mal. Malheur, il n'y a pas de bon plage dans le pays sérieux, non? Ah oui. Dans le pays sérieux, malheur, il n'y a pas de bon plage, non? Bon plage, c'est quand on fait bel hôtel, oui. Ouais. Gros hôtel. Développement sérieux. Et quand on fait bel hôtel, ça veut dire que c'est le monde qui est éclairé, qui a pu me faire route. Parce que je dis, il y a plus de problèmes à étudier. Nous avons des problèmes. C'est ça qui est là. Ça que nous sommes capables de dire problème et inégalité sociale. Inégalité sociale. Moi, inégalité sociale. Même question gang. Majorité de ces messieurs qui n'ont gang, c'est gang circonstanciel. C'est gang qui crée qu'à partir de circonstances. Qu'à partir de nous, on pas qu'être politicien corrompu, mélangé avec une classe bourgeoise qui corrompu, qui gagne des sommes objectifs, il y aurait payé à pas assembler nous encore. Il y a un pays pas pour petit de Saline, il y a un pays pas pour petit de Capralamoyo, il y a un pays pas pour petit de Toussaint Louverture, c'est eux-mêmes qui sont tirés à Moyen-Orient, c'est eux pays assemblés. J'en dis à la c'est pas. Ça, yo, capable c'est pas de retirer nous dans le pays. C'est pas des gangs qui ont de métier. Pour être capable de prendre la main nous. Et c'est ça le travail ça y a fait. Donc, il a fait toute façon pour être capable pour qu'aimer payer à nous, pour qu'aimer payer à nous, même pour nous pas jouer un pays ça, pour nous jouer de lui. Et pas sans raison avec le programme Biden, et pas sans raison qu'il faut attendre au mandat pour la République Dominicaine pour 3 millions d'Haïtiens. Il a créé une atmosphère pour les Haïtiens là, il péril. Alors que nous avons un plus bel pays dans le monde là. Nous avons un plus bon pays dans le monde là. On va parler d'une autre indépendance là, oui. Son l'autre indépendance. Non, mais c'est sale doyen. Et ne fasse ça que nous là. C'est ne fasse à nous river. Et pas qui fait bac. Parce que dans la vie, on connaît. Dans la vie, map nous bagaille. Dans la vie, il y a sacré. Décisif. Je crois que le peuple haïtien est arrivé au moment décisif. C'est soit nous avancer ou bien d'accord de tout bagaille. Que soit nous avancer ou bien d'accord de tout. Tout bagaille. Tout bagaille net.
nous pas un choix là que avancer. Jouer clair matin et ça me veut tout le monde qui qu'on habitué suivre motivation ou renomotivation non espace nous arriver là pas de faire back. Si nous faire back nous perdre toute bagarre net. Et c'est pas le plus gros regret que la guerre. Ou bien nous avancer jusqu'à ce que nous gagnions bataille. Et il y a plusieurs méthodes en place. Le ou la façon, groupe qui rentre là, quel que soit moyen, c'est soit que nous prenons bataille là, nous prenons par la force. Si nous ne prenons pas par la force, nous d'accord entrer dans la dynamique, il faut gagner, qu'on le veut ou non, une réforme constitutionnelle. Est-ce que vous comprenez ça, Mme Doula? Ouais. Réforme constitutionnelle qui va le ban nous le droit. Parce que le problème qui est, je dis, quel que soit le mec qui préside en Haïti actuellement, sous constitution, ça, son bègue est lié. Son bègue est lié. On bègue. Et donc, il va pas diriger, pas qu'il a fait bruit avec constitution, ça. C'est comme ça. Il va pas faire constitution parce que, bon, bien, comment on va le trouver? L'entre comme président, premier ministre, là, puisqu'on va avoir majorité, c'est le Parlement qui va choisir. Parlement qui va choisir là, n'est-ce secteur privé, quand on va avoir des millions, qui est le premier ministre? Ah oui. Il y a ces gens qui parlent de contrôle. Au nom de pays, bam, bien, c'est deux compagnies téléphones qui viennent. Deux compagnies téléphones. Digicel ou bien, comment est-ce que là? Natcom. Au nom de pays, c'est sept personnes dans le pays qui ont importé chèque dans le pays. Au nom de pays, c'est sept personnes dans le pays qui ont importé gaz. Au nom de pays, c'est trois personnes qui ont vendu dans le pays. C'est quatre personnes qui ont vendu farine dans le pays. Ça veut dire que les gens qui diaspora, lui-même, il va venir pour son bel business en pays. Et pays a comme les pays pour lui. Et les gens qui ont transporté, ils ne sont pas les pays. Non, c'est venu, ils viennent dans le pays. Est-ce que les pays s'attendent? Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons les pays? Vous pouvez en parler là, pasteur. Ça veut dire que si on y a là pour nous faire pays, il faut nous d'accord pour nous. Il faut nous d'accord pour nous. La bataille là, tout le monde. Et moi, je me dis bien, c'est pour un bagage personnel que je fais. Mais la fondation qui nous sauve le pays d'Haïti. Est-ce qu'on comprend ça, Mdoula? Moi, je crois dans tout pays, la classe bourgeoisie, la bourgeoisie, elle existe, oui. Pas des pays sans grenades, pas des pays sans millionnaires. Mais il faut millionnaire à tout, il est d'accord en quelque sorte. Que pas, c'est pas celui-même qui l'a pour le manger. C'est payer le tout. C'est pas celui-même qui l'a pour le manger. Pasteur, il faut millionnaire d'accord tout. Gen l'autre 6000, gen l'autre millionnaire qui a monté bon côté. Exactement. Faut que millionnaire d'accord ça. Donc là, prendre là, il pense c'est celle lui-même qui l'a pour le manger. Et puis tout le monde a péri, tout le monde a souffri. Parce que c'est ce qu'on va faire pays. On va jamais faire pays, non, c'est ça. Donc là, pour nous pour nous venir, parce que au clair matin, ou dit peuple là, si on pas avancer, tout a mourir. Si on n'y a pas l'autre choix, il n'y a pas l'autre option sur la table. Nous sommes arrivés au moment. Parce que dans la phase nous arrivons là-bas, la vie de Bidouol. Serviteur, nous sommes arrivés au moment décisif. Nous sommes la première nation noire indépendante. Nous sommes habitués à bel exemple dans le monde. Ah oui. Nous arrivons au moment où nous entraver, nous arrivons au moment où nous mêler. C'est pour nous faire tout ça nous capable, possible et imaginable pour nous sauver le pays. Ça. C'est pour nous mettre nous menons dans patte là. Continuez gourmer parce que moun sa yo pa vin faire sérieux pour nous. Imaginons moun sa yo vini avant même yo vini là, yo gantan sié pour prendre tirer ça nous gagne yo. Yo gantan sié pour vin prendre bam dou bien et iradium. Yo sié pour vin prendre tout bien. Haïti son pays qui vierge pétrole. Tout notre bagage qui dans pays là. Et pas des monde qui est capable vraiment vrai exploiter yo parce que c'est le blanc ou par le Sénégal. Et il y a des compagnies françaises automatiquement le président sénégalais il a pris fonction. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé à ces compagnies françaises bam doumé si pour nous rester dans le pays faut d'accord pour nous payer taxes dans le pays. Et même au Burkina Faso même bagaille, au Niger, la même situation. Et pourquoi pas nous, Haïtiens? Pourquoi nous ne pouvons pas faire ainsi? Nous devons nous battre. Nous devons continuer à lutter. Pas bien, Victor Hugo te dit comme ça. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. S'il faut vivre, il faut lutter.
il faut lutter pour vivre. Pas que tu dis dans le monde, tout bagaille n'est pas facile. Tout son besoin, il faut goûter pour lui. Et pour besoin de bagaille, il faut batailler pour lui. Il faut lutter pour lui. Et nous croyons haïtiens, son peuple qui compte goûter, son peuple qui compte bataille, qui continue la bataille jusqu'à ce qu'il aura porté la victoire. Genou clair, nous est clair, nous est ça qui passe. Mounsa Okina, il est là pour bafouer nous, il est là pour manipuler nous. Je ne veux pas qu'il parle de la justice pour le président Jovenel Moïse. Parce que Mounsa Okina, c'est même maintenant que tu fais mal là. Il n'y a pas de justice là. Les gens disent à la fin, il y a des gens qui parlent, même bien. Donc, pas quel autre grand dossier qui a fait la une de l'actualité. Parce que c'est eux-mêmes qui étaient là, c'est eux-mêmes qui sont toujours là encore. C'est pour nous faire façon. Nous sommes dit ça m'a pour me terminer. Nous perdons un jardin, nous pas perdons. Nous perdons une récolte, mais nous pas perdons un jardin. Ça veut dire que, messieurs, nous avons installé, mais ce n'est pas encore fini. Bataille à la pape, jamais fini. Tout autant, les pays ici n'ont pas mis les gens nivelés sous pouvoir. Et c'est le jour où nous mettons mon nouvel sous pouvoir, c'est la bataille à finir parce que bataille à son bataille pour la souveraineté d'Haïti, c'est la bataille pour une autre indépendance. 1804-2024, nous bataille, nous goûtons jusqu'à ce que nous ayons Haïti côté de l'IA. Parce que grand pile, c'est grand monde qui est dans le pays étranger, la France, les États-Unis, le Canada et d'autres pays qui passent 40 ans, 45 ans, qui tout après les là, toute la journée, qui a parlé là, il y aurait envie de tourner dans le pays. Nous avons besoin de la sécurité. On ne peut pas dire que les gens qui ont créé la sécurité, c'est lui-même qui va mettre la sécurité. Les gens qui vont mettre la sécurité sont les gens qui vont mettre la sécurité. Et c'est ça que nous avons choisi. Nous disons que nous campons derrière Dogi Philippe parce que nous croyons dans son expérience, nous croyons dans sa capacité de faire, que le capable d'aider. Nous, moi-même, côté peuple à camper, c'est l'âme camper, parce que peuple a besoin de retirer quoi dans la tête, dans la grimace. Ah! Et c'est l'âme camper, moi-même. Il faut qu'Haïti sorte dans sa vie. Merci, en pile, Pasteur Renaud. Vous dites un paquet de gros gosses pour matin là. Vraiment, nous t'écoutons.